L'Association des femmes enseignantes engagées du Bénin, AFEB, a tenu une assemblée générale constitutive le samedi 17 août 2024 à l'Université d'Abomey-Calavi. Leadership et dynamisme féminin dans l'enseignement au Bénin, c'est le thème qui a fait objet des discussions au cours de cette assise. Selon le AFEB Business, les femmes font preuve d'un style de leadership favorisant l'intégration dans la résolution des problèmes et des prises de décision. En toute solidarité, il s'agira pour chacun de nous ici de veiller à une éducation et à une qualification de qualité pour la femme enseignante et spécifiquement pour la femme africaine. Nous sommes toutes et tous interpellés dans cette introspection qui s'impose désormais. Selon la présidente de l'association, cette assemblée générale a été organisée pour marquer le démarrage officiel des activités sur le terrain. Elle a rappelé les objectifs de l'association des femmes enseignantes engagées du Bénin. Objectif d'accompagner, d'aider la femme enseignante à mieux se sentir dans sa peau et dans son corps d'enseignante. Et en plus de cela, nous ambitionnons également d'accompagner les jeunes filles qui sont la relève de demain dans leur maintien à l'école. La vice-présidente de l'association est revenue sur l'importance du thème choisi. Le thème qui a été choisi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, puisque vous n'êtes pas sans savoir que de jour en jour, la femme se réveille de son sommeil et veut s'affirmer. La femme doit s'affirmer, doit prouver au monde qu'elle n'est pas que beauté superficielle, mais qu'elle en a aussi et qu'elle peut aller mieux, qu'elle peut impacter ce monde. L'Association des femmes enseignantes engagées du Bénin, AFEB, est constituée de l'ensemble des femmes du secteur de l'éducation, du niveau primaire jusqu'au niveau supérieur.